各位朋友，大家好，欢迎来到中欧文学节。我们今天这场线上活动的主题呢是"直面冲击，幽深晦暗之地"。一听这个题目啊，马上就能够联想到今天一定是关于一种非常勇敢的写作。的确，女性主义的写作总是面临着一个又一个的幽深晦暗的深渊和黑洞。而我们的作家们正是要踩着他们勇敢又灵巧的脚步，走在这些黑洞跟深渊之上，最终去直面现实。那今天我们请到的两位嘉宾呢，同样也是与深渊共舞的两位杰出的舞者。那接下来呢，我先为大家介绍一下今天我们的法国的嘉宾，她是一位非常漂亮的90后的女作家，她的处女作《隐痛》在中国一经出版就引发了轰动，很多人都在其中听到了一种女性的呐喊之声。那她同时呢，也是荣获了诸多的奖项，比如说像2018年的龚古尔文学奖，还有法国南希市书店文学奖、法国花神文学奖、法国处女作家、法国邮局发送奖等等。众多的奖项，那他的小说也是用一种非常现实的笔法和勇气去撕开了生活静静的温情的面纱。那等一下我们会听到他来分享更多的关于《隐痛》这部小说他的创作初衷以及他创作当中的一些思考。那我们今天邀请到的他的对谈嘉宾也是我们中文世界当中的文学新贵任晓雯老师，她呢也是一个非常勇敢的小说家，她的很多作品都已经被翻译成了多种文字，在世界各国传播，其中像《朱森小姐的一生》《浮生21张》《阳台上》等等都是她的代表作。那她的作品《阳台上》前几年我知道也被改编成了电影上映，好像是周冬雨主演的，对不对？伊内斯·巴雅尔他的代表作《隐痛》呢，在法文世界里，他的原名其实叫《下体之痛》。那我觉得他的原名其实是一个更加有冲击力的，并且有更广泛的内涵跟外延的这样的一个文学性的题目。当然，现在被翻译过来以后，被做了一些温和化的处理，变成了《隐痛》。我想这本书就如同它的名字一样，是直面了女性被伤害之后的身体和这种难以言传的痛苦和这种难以书写的伤害，那小说家在这本小说当中，都把这种身体之痛以及器官的伤害处理得淋漓尽致，是非常勇敢的写作。那同样的，今天我们的任晓雯老师，她也是一个对于身体跟器官的创伤痛苦有着非常，怎么说，就是直面这种惨痛经验的这样的一个作家，有非常现实的笔触。他有一篇短篇小说，我印象特别深，叫做《换肾记》。那同样也是直面身体和器官的道德和伦理的拷问。那在我们今天对谈的开始，我就想先问一问二位，你们是从什么时候开始，就是意识到身体这个领域需要被重新的书写跟思考？Déjà, merci de m'avoir invitée. Je suis très, très heureuse d'être là aujourd'hui. Le livre a été écrit, enfin, j'ai commencé à écrire mon roman en 2017 et c'était une année un peu particulière et très étrange parce qu'on a commencé à avoir des témoignages de femmes qui ont commencé à s'accumuler dans l'espace public, mais aussi enfin, c'était surtout sur Internet au début, et puis progressivement, ça a pénétré, notamment avec l'affaire Weinstein, le domaine public, le domaine des médias. Et à cette période, j'avais déjà en tête de raconter. J'avais déjà en tête, non pas toute l'histoire du roman, mais en tout cas, j'avais envie de travailler sur l'histoire du corps des femmes, sur la façon dont les femmes vivaient
vivaient leur corps, l'appartenance à leur corps, et aussi toutes les questions liées à la dépossession du corps, à au viol, aux agressions sexuelles. Et en fait, c'est vraiment arrivé durant cette année où j'ai pu, en fait, où je me suis rendu compte que les témoignages allaient aussi, d'une certaine façon, m'aider à comprendre, à réfléchir et à faire évoluer aussi ma réflexion, parce que moi-même, en tant que femme, je n'avais pas forcément conscience avant d'écrire tout ce par quoi on peut passer en tant que femme, les événements que l'on peut traverser. Donc, pour moi aussi, ça a été très intéressant. Et progressivement, ensuite, au début, ça devait être seulement une étude. J'avais plutôt pensé à un essai ou à une réflexion qui ferait purement appel à plutôt une réflexion journalistique, ou même je ne savais même pas si j'allais le publier, parce que je suis rentrée dans l'édition plus tard. Enfin, j'ai envoyé ce manuscrit par la poste, et c'est mon éditrice ensuite qui a décidé de le publier, et ça a été un peu complexe, parce que j'ai eu un peu peur aussi de le publier. Je me suis demandé si l'écriture que j'avais utilisée justement pour parler du corps allait être comprise, allait être reçue comme je l'avais imaginé. Et sur ce sujet-là, j'ai eu des points, il y a eu du positif comme il y a pu avoir du négatif. J'ai pu me heurter à certaines critiques concernant justement cette écriture du corps, où finalement, ce qui, moi, me semblait être naturel, c'est-à-dire parler justement de la réaction du corps au moment d'une agression sexuelle, mais au moment aussi d'une grossesse, tout ce qui, moi, en fait, me paraissait naturel, parce que je l'ai pas vécu, enfin, disons que en tant que femme aussi, pour moi, c'était peut-être plus simple aussi de comprendre certains mécanismes. Tout ça a pu heurter d'une certaine façon, et en même temps, bon, je me dis que c'est positif, et d'un autre côté, parfois ça peut aussi heurter certains lecteurs, ce que je comprends parfaitement, mais est-ce que finalement on n'a pas aussi besoin de passer par là pour faire avancer les choses, pour aussi pour que notre réflexion puisse aller un peu plus loin, parce que c'est aussi de la littérature, donc la littérature, ça sert aussi à explorer des zones, notamment à travers l'écriture, qui ne sont pas forcément des zones confortables pour le lecteur, mais qui peut-être vont pouvoir faire réagir. Et je crois que dès qu'on commence à parler du corps des femmes, c'est vrai qu'il y a des réactions qui se font sentir, et c'est intéressant, non pas de se positionner contre ou pour ces réactions, mais d'essayer de comprendre ce qui se passe. 那个就是刚才的发言非常的精彩，引痛我也学习之前学习过，我觉得就是，很喜欢他的这种非常直接的写作方式，就是他有一种就是非常生猛的力量，我非常喜欢。那就是关于就是刚才说的这个身体的这个概念啊，我觉得我就是可能我的。写作分两个阶段，在我更年轻一些的时候，比如说30岁以前，我也会写作身体，更多的是写作是关于身体的欲望和身体的疼痛感。那现在就是年岁渐长以后，进入中年以后呢，我会更多的书写疾病和死亡，这也是跟身体有关的。那其实我们的就是人类永远存在一个就是灵魂和肉体的一个悖论当中，因为我们很多平时的辛苦的劳作，我们的很多日常的行为，它是为了满足我们的身体，为了给我们身体买吃的买穿的，为了就是满足我们身体的欲望，然后能够就是弥补我们身就是修补我们身体的亏损，很多我们的很多的日常的行为，大量的消耗都是围绕我们的身体在进行的。但同时我们人又是拥有灵魂的，这样拥有灵魂的渴望，拥有灵魂的呐喊，但是就是在这个时候我们的就是我很喜欢就是刘晓峰的有本书名叫《沉重的肉身》，
然后圣经里面也有一句话，就叫做你们心灵固然愿意，但是你们的肉体软弱了。就是我很喜欢这个，就是在很多时候，我们的灵魂和我们的肉体是背道而驰的。所以我觉得这是虽然我在早年的关注身体的话题和现在关注的这个点的侧重点不一样，但我觉得其实在一个大的逻辑上的话，他们是同构的，那就是灵魂和肉体的这样的一个张力，所以我觉得这是我非常感兴趣的一个写作的点，也是我愿意一再书写，用不同的方式去书写的这样的一种一个主题吧。就像就是隐痛的这个主题书写的这样的一个女性困扰女性的这样的一个问题，其实在中国也是非常普遍的，就是在尤其在就是在东方在亚洲，很多就是两性关系上的这个观点更保守，而且在就是在中国的很多的比较偏僻的。这个地区，或者说是再早个20年左右，中国的在前现代化的这样的一个大范氛围里面，整个社会对于女性的这个贞洁的观念，对于女性的性方面的这种压迫的这个尺度是其实是非常强大的，可能比这个隐痛里面所描述的这样的一种困境，更加强烈，所以我觉得就是在这个程度上，就是描，就是去书写这个问题是非常有一个社会的价值的。我在我以前的一个长篇叫《他们》里面，我就也描写过这样的一些在性方面受到侵犯的这样的一些女性，她们甚至因为人生的一个错误，沦落到了也是面临死亡和一个面临被社会边缘的这样的一种位置，所以我觉得就是在这样的环境当中，尤其这2年就是女性主义的、女权主义的这样的一个崛起，可能很多问题都会呈现到大家的面前吧。我觉得刚刚二位都讲得非常的精彩，并且其实是你们打开了很多新的话题。在我听来，我觉得女性可能天然是一个痛苦共同体，这也是为什么女作家们并不需要真的去亲身的经历和认知那些痛苦，她们就能够写出痛苦的形而上的意味，就能够写出痛苦的哲学的层面。她们可以超越经验去书写这个共同体，她们共同的可以共情的痛苦。那我觉得刚才 Ines 提到了一个很有趣的话题，就是文学跟行动力之间的关联，就文学作品如何去转化为行动力。那我也想接下来听 Ines 你继续展开这个话题。然后小文，我刚刚听到他讲到很有意思的，就是这个心灵跟身体永恒的张力，我觉得这可能也是文学的一个永恒的主题。之前我看过您一个采访，就是很有意思，你写到说，每天早上5点钟起来，准点起床，然后6点钟坐到桌子前开始一天，铁打不动的3个小时的写作。我觉得这个也是，对我而言也是个非常新鲜的，就是文学写作的习惯，其实是在用每天的，这种非常固定的，同时非常自律的劳动，再去换取一个，再去孕育一个关于心灵的作品，这也是劳动跟作品这个身体跟心灵之间的另一种关系哈。所以我想听二位接下来展开聊一聊这些话题。Sur la question de la communauté de femmes dont vous avez parlé, dont vous avez mentionné le fait que certaines femmes peuvent se retrouver dans un espace de compréhension commune. Enfin, on comprend les enjeux, on comprend certaines expériences peut-être. C'est vrai que j'avais jamais imaginé ça comme une communauté qui pourrait, mais ça arrive de plus en plus, ces réflexions sont de plus en plus développées autour de de ce qui est appelé la sororité, c'est-à-dire le rapport d'empathie, de solidarité, d'entraide entre les femmes. Et moi, je trouve ça
Enfin, je m'inscris tout à fait dans ça. Enfin, je crois que c'est important de pouvoir écouter ce que les femmes ont à dire. Mais d'un point de vue plus proche de la problématique littéraire, de la littérature, je crois que oui, de toute façon, moi, tous les livres qui m'ont influencée, tous les livres qui ont été importants pour moi dans ma construction en tant que, pas seulement en tant que femme, mais en tant qu'être humain, en tant qu'individu dans la société, sont toujours des livres qui ont posé des questions, qui se sont engagés dans des chemins qui n'étaient pas forcément des chemins simples, qui n'étaient pas où il était question beaucoup aussi d'engagement. Et ça, c'est une belle tradition en France. Alors, c'est vrai qu'elle est plus, c'est une tradition de littérature qui s'accorderait plus avec l'image de la littérature du XXe siècle. Enfin, je pense à Sartre, je pense à Simone de Beauvoir, je pense à Albert Camus. C'est des écrivains qui, pour moi en tout cas, ont changé d'une certaine façon le monde, oui, la perception qu'on avait du monde. Et on les relit encore aujourd'hui avec la sensation qu'ils ont. Et là, c'est vrai que j'ai bien sûr Simone de Beauvoir en tête et d'autres. Enfin, il y a beaucoup d'écrivaines femmes, notamment des écrivaines de langue allemande. Je pense à Ingeborg Bachmann, à Elfriede Jelinek, qui sont vraiment des écrivaines femmes qui ont beaucoup compté pour moi et qui ont fait aussi qu'à un moment donné, je me suis dit que la littérature, en tant que lectrice, pas forcément en tant qu'écrivaine, mais a non pas une responsabilité, mais peut, a la capacité, a le pouvoir, pas de changer complètement le système dans lequel on vit, mais en tout cas de faire réfléchir chaque individu sur certaines questions qui sont importantes d'aborder. Et je voudrais, pour terminer, reprendre ce que vous disiez au sujet de cette problématique qui a lieu en Chine. Bien sûr, on en parle beaucoup ici en France de ces problématiques et de la façon dont justement la parole des femmes, peut-être en Chine, n'est pas reçue de la même façon qu'ici. Enfin, en tout cas, nous aussi, ça a pris du temps. Donc, je crois que il faut. Enfin, moi, je ne perds pas espoir parce que j'étais dans des pays comme par exemple en Amérique latine, où là-bas aussi c'est très difficile. Il y a un patriarcat très dur qui pèse sur les mentalités et sur l'histoire du pays. C'est très dur pour les femmes là-bas aussi de s'affirmer et d'affirmer ce qu'elles ont vécu, pas seulement les violences sexuelles, mais toutes sortes de violences. Et ça prend du temps, mais ça arrive. Donc, je crois que moi, je crois que rien n'est perdu et que faut se battre, évidemment, mais ça prend aussi un certain temps. Regardez, nous, ça a pris aussi beaucoup de temps, c'est très récent.这个就是我在想到，就是女性作为一个群体啊，其实女作家也是作为一个群体的。因为当我们说到介绍一个作家的时候，当她是女性的时候，我们会说这是女作家某某某；但是当她是一个男作家的时候，我们不会说这是男作家某某某，我们就是说她是作家某某某。就是你会发现，就是在这个作家的群体里，虽然有两个性别，但是女作家好像天然的就变成了当中的一个群体。这个其实这里面有在命名的方面有一种很微妙的潜意识在里面的，就感觉到好像像女性她是在这个作家这个群体里面她处于相对弱势，所以她要贴一个标签叫女作家。啊，就是这样子的，所以就是说，我刚刚就是说到的很多问题啊，我在想，我作为一个中国的女作家，其实我很多时候也是写中国女性面临的各种问题，那个也有在媒体采访的时候会问我说，那你是不是因为你是女作家，所以你写很多女性呢？其实这种问题就很奇怪，因为很多男作家他写男性，那人家就不会问说你为什么写男性，好像这是理所应当的。但是在这个女性的这个书写里面，她好像天然就处于一种弱势。就比如说像很多
男作家，就是中国的男作家啊，尤其是年纪长一点的，我感觉就知道他们对于女性的这个观察和理解其实是有所欠缺的。你就会发现，在有一个层次的男性的作家里面的女性形象，主要就是两类，一类就是圣母，她就是心甘情愿的为男性付出，无怨无悔，然后还有一类就是荡妇。就是他被完全被身体的情欲所操控，就是这两类人，就是我就感觉到非常的鲜明，比如说像那个哈金写的那个小说里面，我当时我看到一个就是外国的报道，当时他说有读者听了这个书斋以后，就是说这个广播电台听到就打电话去问他说有没有这样的女性，就是哈金的等待里面吗？等待里面的这个叫什么？孔林的妻子就是一个很典型的中国传统女性，她就是丈夫不爱她，然后丈夫有了别的女人要跟她离婚，她一个人默默地承担了整个家庭，为她抚养老人，为她生儿育女，然后丈夫要跟她离婚，她就离婚，她还是为她的丈夫付出一切，然后无怨无悔，感觉就是。没有，就是自己的一个，好像就是心里有任何的不满都没有。那就是当时就是有一个美国的读者就打电话就去问说，是不是真的有这样的女性的存在？你会看到就是就在中国的很多书写，比如说余华的《活着》里面也有这样的人物，对吧？也是名著。你会发现有大量这样的女性。我觉得这个是不是就是说是这个男性对于女性的理解出现了偏差，导致男作家对于笔下女性的人物出现偏差呢？这时候我就觉得太需要女作家去写女性了。就是我再举个例子啊，我的婆婆她也是一个乡下的妇女，她就是劳苦担重担了一生啊，劳苦愁烦。然后她就是她丈夫去世了以后，她悄悄的贴着她儿子，也就是我丈夫的那个耳朵边说，她说：“哎呀，我忍了你爸爸一辈子。”这就是一个，就是看上去是温柔娴熟，一辈子不会反抗的中国女性的心里的真实的想法。她其实忍耐了一辈子，就是其实这才是一个非常鲜活的一个人物的形象。就是她有自己的情感，她有自己的反抗，她有自己的对于疼痛、对于这个苦难的一个回馈，而不是就是说很多时候。就是像这个中国的社会里面对于中国女性的这样的一个要求，在这种要求里面，其实很多中国男作家也潜移默化的把这个要求就是放在了他们的形象里面，所以我觉得我们中国的女作家还任重道远。刚刚 Ines 她讲到了一点，就是在法国社会，作家有天然的介入社会的这样的功能，这点我特别的认同哈。我想就是作家天然应该有一种抱负，就是要成为社会良知，在所有的观念革命或者说观念的变革当中，永远都有作家非常重要的那个推动者的位置。然后我们的小文很真情实感地吐槽了一下这个在作家行列里面女性的边缘的地位跟这个数目。那我在这里也就补充一个数据吧哈，这个数据是来自于胡文凯老师的历代妇女著作考，他主要考察的是中国古典的女诗人。中国古代的女诗人比例是非常小的，在汉魏六朝的1000年当中，有名有姓的女圣的数量大致是这样的：两汉时期19个人，曹魏时期2个人，两晋时期18个人，南宋2个人，南朝齐4个人，南朝梁10个人，南朝陈3个人，北魏4个人，北齐2个人，隋代只有1个人。全唐诗一共900卷，其中女性作品占多少呢？一共有12卷啊，占比是1.34%。女诗人一共有120多位，作品有600多首。女诗人上至皇妃，下至妓女，遍及各个阶层。像重要的有像鱼玄机啊、薛涛啊、上官婉儿等等，但是占的比例非常非常小。汉代以后，女诗人数量开始有所增加。汉魏六朝32人，唐代23人，宋代46人，元代16个人，明代238个人。明代以后，
数量就明显增多了，一共是有357人。从数据上来看，这个女诗人的数量一直都没有突破3位数，是吧？就在哪个朝代，所以这个是一个数据上的补充。但我想，小王老师刚刚提到的这一点，其实给我一个启发，特别是他讲到这个哈金书写当中的女性形象和绝大部分的这个男作家笔下的女性形象的时候，我就在想，我们总是说作家要有自己的世界观。我想除了世界观以外，也还需要有自己的宇宙观。但除了世界观、宇宙观、人生观之外，其实作家的性别观也应当是考察一个作家的非常重要的一个尺度。所以在这里，我就又想把问题抛给我们的 Innis，我想问问你，在法国普遍而言，男作家、女作家，不管是男作家还是女作家，他们的性别观现在一般是怎么样的？你可以跟我们来分享一下你的这方面的观察吗？Oui, alors je vais reprendre au début. Enfin, vous parlez de littérature. Enfin, j'avais parlé de littérature engagée, mais je crois que c'est important aussi d'en parler parce qu'on a souvent tendance à dévaloriser en fait tout l'aspect contestataire de nos du comment dire de la population française quand il s'agit de politique, quand il s'agit de sujets sociaux, quand il s'agit de s'investir dans le champ public. On parle souvent de il y a trop de manifestations, il y a trop de désordres, on n'arrive pas à... Bon, moi je trouve ça plutôt intéressant, je trouve ça plutôt vivifiant. J'ai vis-à-vis de que ce soit la contestation sociale, la contestation politique, la contestation au sujet, enfin c'est même plus une contestation, mais en ce moment il y a beaucoup de mobilisation pour les violences faites aux femmes, il y a beaucoup d'affaires qui sortent, enfin il y a tout un mouvement, il y a toute une pulsion qui fait que finalement aujourd'hui, moi, alors qui ai 30 ans, peut-être ma génération, mais surtout celle qui est arrivée après moi. Cette génération, c'est une génération de personnes engagées politiquement sur divers sujets, hein, pas seulement sur les violences faites aux femmes, mais aussi sur l'égalité sociale, sur l'écologie, sur tout un tas de sujets. Et pour en revenir, pour faire le lien finalement avec la littérature, je crois que la littérature française s'est toujours nourrie de ce pouls, de cette pulsion qui arrivait en fait dans le pays. Donc ça a commencé très très tôt, même dès le Moyen Âge, avec Rabelais, avec des auteurs qui se sont vraiment engagés dans un processus de dénonciation, alors par divers tonalités, hein, par divers, mais il y a toujours eu un engagement dans la littérature française et ça s'est prolongé comme ça, avec comme point de je dirais comme point ultime l'engagement au moment de la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, avec Sartre, Camus, dont j'ai parlé. Mais je crois que je ne parlerai pas de responsabilité de l'écrivain, parce que je ne sais pas si l'écrivain a une responsabilité de dire, de dénoncer. Mais en tout cas, il peut peut-être avoir en lui une idée, ou du moins un idéal, qu'il voudrait défendre ensuite dans ses livres. Parce qu'un roman, ça n'est pas une thèse. On ne peut pas faire d'un roman. C'est beaucoup plus complexe que ça, parce y a des personnages, il y a des émotions, il y a des. Quand on lit un livre d'Albert Camus, que ça soit La Peste, La Chute, il y a des personnages, et ces personnages, comme ceux de Dostoïevski ou quoi, incarnent un engagement pour quelque chose qui n'est pas forcément ce que va défendre l'écrivain. Donc, c'est un sujet qui est passionnant et qui est complexe et qui se rattache, je crois, qui a un lien très profond avec la France, ça c'est sûr. Je crois que la situation en France est relativement moins compliquée qu'en Chine ou que dans certains autres pays où j'ai pu présenter le livre. Par exemple, je me rappelle d'un festival en Amérique latine où j'étais, où il y avait eu une énorme contestation parce que justement dans le festival, il y avait très peu d'écrivains femmes qui avaient été invitées. Et donc, les femmes qui étaient venues lors des conférences auxquelles j'assistais étaient des femmes qui avaient vraiment bataillé pour avoir leur place sur la scène de la conférence et qui, avant ça, avaient déjà bataillé pour
obtenir l'édition, la publication de leur livre. Donc, c'est un sujet, moi, qui m'a un peu, j'avoue que j'ai été un peu surprise parce que je ne crois pas qu'en France, il y ait ces problématiques liées à la publication, par exemple. Je ne pense pas que ce soit un frein d'être une femme au moment de publier un livre. Donc, ça, c'est vraiment pour l'édition, en tout cas en France, moi, personnellement, je n'ai pas l'impression. Aujourd'hui, en tout cas, parce qu'après, peut-être à certaines époques, certainement, ça a dû être compliqué pour les femmes de publier des livres et surtout la réception des livres a dû être compliquée. Pour ce qui est de ce dont vous aviez parlé, ce qui était assez intéressant, c'est l'image de la femme dans les romans. Bah, là, ça ferait tout un chapitre d'une étude, ça serait très long d'en parler, de parler de la représentation de la femme dans les romans. Mais c'est vrai que je crois encore en France qu'on a une liberté concernant nos personnages. Enfin, il n'y a pas disons, de censure, il y a des points des fois de désaccord, mais je trouve qu'en France, par rapport à la situation dans certains pays, je trouve qu'on a une liberté d'expression et que je n'ai pas l'impression, en tout cas disons dans la sphère littéraire, de sentir une véritable pression parce que je suis une femme ou de me sentir en position d'infériorité parce que je suis une femme. En tout cas, en tant qu'écrivaine, après, mais je ne crois pas que la situation soit. Enfin, moi, en tout cas, je ne le ressens pas comme ça. Mais après, je n'ai pas fait d'études sur le sujet. Mais pour ce qui est de la représentation des sexes, après, c'est la responsabilité de l'écrivain de montrer ce qu'il veut montrer. C'est la responsabilité de l'écrivain de prendre en main son sujet et de regarder ce qu'il veut en faire. Et après, au lecteur de savoir si l'écrivain a une vision de la réalité qui était différente de la sienne ou si, au contraire, cette vision s'en rapproche. C'est là où arrivent les points de crispation, je crois. C'est après la publication du roman, quand on demande au lecteur leur ressenti sur un livre. Moi, j'ai vu pour le mien ce que ça avait donné. Il y a des discussions passionnantes qui se créent. Et en même temps, et parfois, on voit que certaines personnes n'ont absolument pas la même vision que nous. Et qu'ils soient des hommes ou des femmes, hein, je crois que ça m'a pas. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait une grande différence de ce point de vue-là. Enfin, en tout cas en France. Après, dans certains autres pays, c'est un peu plus compliqué parce que les traditions ne sont pas les mêmes, la littérature n'est pas la même, la diffusion n'obéit pas aux mêmes règles, la publication non plus. Mais en France, je crois qu'on est quand même assez privilégié enfin, de mon point de vue, en tout cas, hein, de ce point de vue-là, oui. Merci.那小文有没有什么回应？我就想，就是很多时候，比如说我在写我的小说里面的人物的跨度，就是年代的跨度是比较大的。从就是可能最早的1900年到20世纪的人物，我都写过。我就觉得，就是其实在中国的这几十年的这个100年、几十年的。这个历史当中，其实对于女性的角色呀，对于女性的处境、女性的困苦的这个，它是有变迁和不同的。就其实这个里面，在我写作当中，我去辨析他们，这个叫什么？各个阶段的这样的一个东西，就非常的有意思。我在想，就是因为在之前的准备里面提到过一个，说是女性的这个什么觉醒之路嘛，我就想到我的母亲的一个经历啊，我曾经把我母亲的经历写到过小说里面去。我母亲上面有三个哥哥，都是男性，然后我母亲那时候是在上海啊，还是在上海，不是在农村，然后她是第四个是女儿，然后呢，我的外婆就不想要她，我母亲刚生出来的时候，我外婆就想把她塞在马桶里溺死，然后呢是我母亲的哥哥说，哎呀，我们养活她，我们给她喂奶，给她洗尿布，我们来养活，不要弄死我们的妹妹。然后母亲又大了一点了以后呢，我外婆还是贼心不死，想把她就是
用这个被子闷死，然后我那时候我母亲太小了，不知道，是她又大了一点的时候，她有一个邻居跟她说，她说你知道吗？我是你的救命恩人。有一天我到你家去，发现你没哭，我后来就发现你妈把你闷得已经半死，快死了，是我把你救下来的。我妈才知道，哦，外婆不要她，外婆就嫌她是个女孩儿。就其实，这个就是这是一个中国的女性和女性关系的一个隐喻，可能在后来的这个中国的历史的变化当中，女性的地位不再就是当然现在在农村啊，很多时候重男轻女还是非常严重的，包括现在中国农村面临的男女比例的极大的失调，就是这样的事情的导致的，然后但是中国的城市都市的女性，她面临的可能是另外的问题。但是我在想，我母亲的这个经历，她其实是一个隐喻，她就是说，在很多时候，中国女性所遭受的一种压抑和一种对于性别的一种受逼迫，它其实是来自于女性本身。在很多时候，我们可能会假想有一个女性的团体，互相的理解，互相的共情，但在很多时候，恰恰就是女性之间的互相的厮杀和以一种我受过的苦难，你也要受的这样的一种反向的共情吧。就是去对待自己的同性，我就觉得这里面就是很有意思。当然，就是说我们中国的境况跟很多国家不一样啊。中国的作家没有办法去直接的介入社会运动，这是由于各种原因导致的。但是我是很希望我能够把我观察到的这些东西写下来。那它并不是一个就是抽象的一个概念，因为我以前就是20多岁的时候是很喜欢西方的理论，包括女权主义的很多我也读过。我那时候是从理论出发，我觉得啊女性什么什么。但是当我真正的去写作去了解这个历史当中的女性，中国女性和现实社会当中的中国女性的时候，我会意识到她们的处境，她们的问题是非常复杂和微妙的。我觉得我作为一个作家的话，我就是要把这些东西呈现出来，至于他们的能起到什么样的后果或者什么，这不是作家本身能掌控的，所以我觉得我责任就是尽可能的去书写吧。刚刚小文提到了女性群体之间的这种互害，就是受害者之间反而有一个就是受害者之间并没有结成一个共同的同盟，反而变成了一个互害的结果。我觉得这其实是一个非常深刻、微妙、复杂的问题，它存在于几乎所有的施暴者跟受害者的这样的双向的关系当中，就是在很多的类似的关系当中，最后受害者都会成为施暴者的某种意义上的同盟，它变成了一个共谋的结果。但我觉得这是另外一个话题。既然刚刚两位作家都提到了，那作家的本职工作就还是把这一切写下来，至于后面有什么社会效应，那是之后的事情。所以那我们就再次回到我们的写作本身。在《隐痛》的开篇，我记得一开篇玛丽就死了。并且是以一种最为极端的方式去报复了误会他的家人，报复了侵犯他的人。同样的，在小文的《珠三小姐的一生》当中，一开篇，所有的人就都在等待珠三小姐的死亡。我记得他写到说，他已老成一把骨架子，却仿佛永远都不会去死。就是从这两部小说一开始就给我们展现了这样的一幅惨烈的、绝望的、阴郁的气氛，但是读者呢，却会不自觉的在阅读过程当中一遍一遍的期待着出现那个反转跟惊喜，期待着生活重新给我们以惊喜的馈赠。然而，这种期望一再的落空，结局永远都是还是那样的无人生还的惨烈。那我想这样的故事结构的构思当中，是否也包含了作家本身对于女性命运的一种揭示，就是有的时候我们对于命运的一种抗争，其实只是命运的另外一番设计而已。女性的觉醒之路注定是这样一条血路。Oui, alors je vais reprendre
Sur la première scène de mon livre, c'est une scène qui m'est venue en fait parce que déjà, je crois, je sais pas, j'avais envie de. C'est vraiment la première scène qui m'est venue à l'esprit, donc je l'ai écrite telle que je l'avais imaginée. Mais après, j'avais pas forcément, je savais pas encore, je connaissais pas encore la construction du roman. Parce que c'est important quand même quand on écrit de savoir comment va être construit le roman, sur quel chapitre et surtout quel va être aussi l'effet, quel effet on veut donner aussi sur le lecteur. Est-ce qu'ensuite on est satisfait de la construction? Enfin, ça, c'est toutes des problématiques qui sont des problématiques purement littéraires et qui n'ont pas, disons, enfin, moi, je ne me suis pas posé la question de savoir si ça allait avoir un écho. Hors du domaine littéraire, enfin, c'était pas. Donc, c'était plutôt une approche pragmatique et je me suis dit que j'allais commencer par cette scène pour immédiatement mettre le lecteur dans une position où, ben, moi, je me dis qu'il avait le choix, mais certaines personnes me disent que par ce passage, ils se sont sentis piégés dans un système où ensuite on a envie de découvrir pourquoi cette femme va empoisonner sa famille, pourquoi cette femme va se suicider, qu'est-ce qui l'a amenée à ça. Donc, la scène de départ, elle peut avoir à la fois elle peut avoir deux effets sur le lecteur. Soit le lecteur veut continuer sa lecture, soit le lecteur l'arrête parce que la violence de l'écriture et aussi de la scène est insupportable et qu'on sait, au moins, je dirais que j'ai fait preuve d'une certaine honnêteté puisque finalement l'écriture du début de cette première scène, c'est l'écriture de tout le livre. Je me pose souvent la question en fait aussi de la tonalité de l'écriture, savoir si en moi, à cette période, j'étais dans une période d'écriture où j'avais besoin d'utiliser cette violence, d'utiliser ces images. Peut-être que mes lectures aussi de cette époque, qui étaient beaucoup de littérature autrichienne, beaucoup de littérature de l'Est, m'ont aussi insufflé cette envie de raconter l'histoire de mon personnage féminin de cette façon. Donc je pense que c'est aussi plusieurs influences, mais. Je crois que c'était, enfin, que cette première scène, pour moi, en tout cas, elle était nécessaire et la construction du roman, ensuite, par cette scène, m'a permis d'arriver, enfin, de lancer le roman et de faire en sorte, voilà, de pas perdre le fil parce que c'est difficile aussi. C'était mon premier livre et c'est vrai que quand on s'engage comme ça dans l'écriture d'un livre, on ne sait pas vraiment où ça va nous mener, si on va arriver à terminer ou pas. Et du coup, avoir des repères comme ça, sentir qu'à l'intérieur du livre, on a une impulsion comme ça, on a une énergie qui permet ensuite de tirer le fil comme ça du livre, c'est une sensation qui est plutôt réjouissante, je trouve. Parce que la plupart du temps, quand on écrit, on a un peu l'impression qu'on est en train de se perdre. Et les scènes comme ça, centrales, les scènes qui marquent le lecteur, c'est aussi un moyen pour nous de structurer aussi le roman. Et en ce qui concerne le destin, c'est une notion que j'ai utilisée dans le roman. À un moment donné, je me rappelle plus très bien la phrase, mais oui. Parce que je crois aussi que dans le cas de mon héroïne, du personnage de Marie dans le roman, elle croise à un moment donné la route de ce directeur de banque, ce directeur d'agence, qui va abuser d'elle, qui va la violer. Donc il y a la scène de la une scène de, voilà de, où elle se fait agressée dans la voiture, ou elle se fait violer dans la voiture. Donc c'est une scène aussi qui a été très difficile à écrire. Enfin, c'est pas forcément difficile à écrire, mais enfin, en tout cas, je me rappelle plus précisément parce que ça fait longtemps que je l'ai écrit, mais c'est une scène en tout cas qui a son importance, ça c'est certain dans le roman, et que je n'avais pas du tout envie d'effacer. C'est pas une scène où parfois, vous savez, pendant très longtemps, on a. Peut-être moins maintenant parce qu'on ressent plus la nécessité de vraiment montrer la violence. Mais à une certaine époque, je me rappelle que dans les films, lors de certains moments d'agression, pas forcément les agressions sexuelles, mais
on coupait, notamment dans les films où il y avait une sorte d'ellipse comme ça où on n'avait pas le moment. Or, moi, j'avais vraiment envie de. J'avais besoin de ce moment dans le livre pour qu'ensuite on comprenne ce par quoi elle est passée, en fait. Parce que si j'avais pas fait cette scène de viol comme je l'ai faite, je ne crois pas que le lecteur aurait eu l'impression ensuite de comprendre la suite des événements et tout ce que ça a impliqué. Donc il y a aussi voilà, des procédés littéraires qui sont aussi importants en termes de représentation, de l'action, des personnages, des émotions ressenties lors de... Et donc du coup, c'est vrai que le destin, je ne sais pas si c'est une notion ici en France qui a la même symbolique qu'en Chine, par exemple, mais le destin, c'est vrai qu'il apparaît dans la notion un peu de fatalité. Est-ce que cette femme aurait pu, à un moment donné, échapper? Est-ce qu'on peut échapper à ce qui nous arrive? Est-ce qu'on a un moyen d'y échapper? Ou est-ce que ça se produit? Oui, bon, moi, je sais pas. Après, ça dépend. En littérature, la notion de destin, elle est développée dans plein d'œuvres. Mais après, dans nos vies à nous, je crois que... C'est peut-être pas possible d'en parler comme ça aujourd'hui parce que ça me paraîtrait être incohérent, sachant qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne les violences faites aux femmes, on accorde beaucoup d'importance à l'éducation qui est primordiale, à l'information, à l'écoute. Si vous voulez, la notion de destin, enfin, elle n'intervient pas du tout dans ce, disons, dans la sphère politique concernant cette problématique, elle n'intervient pas. Mais dans le roman, elle peut intervenir à différents stades de l'écriture, oui, mais c'est une question qui est plus compliquée, c'est une question complexe, je dirais.刚刚提到我那个朱三小姐的一生啊，我这篇文这个小说其实就是可能隐痛是以死亡开始，那我那个朱三小姐一生恰恰相反，她是以一个人她死不掉开始，就是这个朱三小姐这个人呢，她是一个就是在1949年以前，她是靠就是在上海的。珠宝三路就是像那个往来的这个外国的水手啊，这样的一些人卖淫为生。然后1949年以后，他经历了很多的动荡，一个人孤独的生活。因为他曾经背叛过他的姐妹，然后他的姐妹跟他说："我现在就诅咒你一辈子死不掉。"然后这个老太太呢，她一生就是非常非常漫长，到最后非常衰老，但是她还是始终的活着。然后她所有的亲人死了，她的朋友死了，她的仇人死了，所有认识的人都死了，她还是孑然一身的活着。然后她在她晚年的时候，她坐在那里，然后有一个中年的男人过来跟她说话。这个男人在还是小孩的时候就看到这个朱三小姐。生活在他的在他的生活当中出现，然后当他在中年，饱受生活摧残以后，他发现朱三小姐还在那里顽强的活着，他就过去喝得醉醺醺的问他说："跟他探讨人生的意义啊，你觉得经过了那么多的苦难，像我现在生活备受击打，各方面都是非常的困苦，你说我活就是活，就他试图跟这个老太太探讨生活的意义。那其实我这个小说。"写的就是说，是一个人，当他的生命无限延长的时候，就是死亡可能恰恰就是他的礼物，这可能就是另外一个范畴了啊。但是从这个故事，因为他的这个人物的这个人生的维度非常长，也可以看到这个从中他的一生的命运。就是刚才就是说到就是这个宿命啊，其实中国人很多时候，尤其是近百年来的中国人，很多时候就是，受到了这个东西的掌控，因为在很多时候，中国人是的命运是不自由的。当你在有一些年代里面，你没有读书的自由，在某一些年代里面，你没有出国的自由，在某一些年代里面。人的一生只能在一个被限定的一个非常狭小的范围内活动，在这时候你的命运是被注定的，就是带着镣铐跳舞的。所以就是说，我写作的时候，我很多时候写一些，就比如说是
中老年人的命运或者什么的时候，我会有一种宿命感在里面的。包括我现在的那个最近几年的这个有一个叫《浮生二十一章》，写了21个人，这个浮生就是他们一生的命运，然后跟这个中国的这个大的变迁交织在里面。我就当我在这个写作的时候，我会发现其实，性别的问题是在一个就是是问题之一。但是在很多时候在中国人的命运里面，它不是一个最重要的问题，所以就是说在这个我的写作里面，我会写到女性的这些问题，但很多时候我会说是把它作为一个人他所面临的困境来书写，这个就是我的一些看法吧。刚二位的分享都非常的精彩，我想所谓的这个命运抗争，很多时候是一个个体在巨大的历史无意识面前的一份独立的思考与行动。刚刚二位都讲述了自己的创作的过程跟构思，我觉得二位的创作完美的契合了契科夫曾经描述过的那样一个创作法则，就是当第一幕的时候墙壁上挂着一支枪，那么在第二幕的时候就一定会开枪。我们在二位的精彩的作品当中都听到了这样发人警醒的枪声与呐喊。今天非常感谢二位嘉宾在我们线上分享了这么多的所感所思，还有你们创作的思考，也期待接下来我们有更好的作品奉献给大家，谢谢。Merci beaucoup pour avoir partagé cette discussion avec moi. Je suis très touchée et honorée et j'ai trouvé la discussion vraiment très intéressante aussi parce que ce n'est pas très habituel ni commun qu'on puisse discuter entre écrivaines dans des espaces aussi différents, que ce soit des espaces politiques, espaces sociaux, espaces culturels où les règles ne sont pas les mêmes, où l'histoire n'est pas la même, où les politiques ne sont pas les mêmes. Et pourtant, et c'est ce que je disais au début du débat, la littérature, c'est aussi une communauté, c'est aussi le moyen de pouvoir partager des sujets qui finalement sont des sujets universels. Et c'est cette universalité qui fait que aujourd'hui on peut communiquer, on peut se comprendre, on peut parler. Et j'ai beaucoup apprécié de faire cette discussion et ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup touchée parce que je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'échanges qui sont faits entre la Chine et la France, et c'est dommage parce que je pense qu'on a plein de choses à s'apprendre, il y a plein de choses à discuter et des notions aussi qui ne me sont pas forcément familières, comme le destin par exemple, et j'étais très contente de pouvoir en discuter et d'en apprendre plus sur ce pays. Voilà, merci beaucoup, merci pour la discussion. 谢谢这个 Ines 的这个总结非常好，我现在只有就是我有感谢可以说，也这种跨国之间的探讨很有意思，因为在这样的撞击和这样的不同的文化和历史社会背景的这样的一个差异当中，我们可以从他人的视角可以更清楚的看到自己，也可以更清楚的看到别人。谢谢二位精彩的嘉宾，也接下来我们会在中欧文学节这个小小的文学共同体当中继续相遇，继续互相启发，互相激励，也期待未来我们不仅在云上见，也在线下见。谢谢大家。